Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Donc dans cette nouvelle leçon sur PowerPoint, nous allons voir comment retravailler une image. Alors, il suffit de sélectionner son image que l'on veut retravailler, cliquer deux fois dessus pour voir apparaître le petit onglet concernant le format, les outils d'image. Alors, comme nous l'avons déjà vu, nous pouvons modifier le style de l'image. Alors, l'intérêt des versions Microsoft 2007, c'est que l'aperçu se fait automatiquement. Donc on voit ici plusieurs possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'on peut modifier la luminosité de notre image. Imaginez que notre photo n'est pas une belle luminosité, mais on pourrait l'augmenter. Voyez, et là on voit l'aperçu, ou la réduire. Donc là, pas de souci, la photo est correcte, donc on va laisser telle que c'est. Même chose pour le contraste, on pourrait accentuer le contraste, le diminuer. Nous avons aussi d'autres options de correction que l'on retrouve dans d'autres menus et on l'a d'une autre façon, on peut retravailler ici, sauf que l'aperçu est difficilement visible. Donc voilà la première chose au niveau de la qualité photographique. On pourrait aussi recoloriser ou recolorier l'image. On voit que la situation actuelle est celle-ci, mais on pourrait regarder, modifier les variations de sombre pour aller jusqu'à une image noir et blanc, photo noir et blanc. Même chose ici. Donc on voit bien que tout un travail peut être fait sur la qualité visuelle de l'image. Autre chose intéressante, grâce au format de l'image, on peut modifier l'apparence, l'affichage de cette image. Par exemple, en reprenant donc les différentes formes de base, si je veux mettre, mettons, une croix, je clique sur croix et on voit que l'image est intégrée à cette croix. Même chose ici, si je veux une flèche, on voit que l'image est intégrée à la flèche. Donc là, nous avons vraiment beaucoup de possibilités de modifier, vous voyez, si je clique ici sur le style flamme, un petit peu, on voit que la photo sera transformée en flamme. Donc je vais reprendre le format de base. Même chose au niveau des bordures. L'épaisseur des bordures peut être très important, et la couleur de la bordure, on peut la changer. Là j'ai mis du bleu, mais je pourrais mettre un rouge vif. Donc là, je vais remettre, allez, mettons du bleu. Et l'effet de l'image, on pourrait avoir des effets ombrés, comme des effets 3D. Vous voyez, alors là, on a plusieurs possibilités. Vraiment, on a le choix. On peut aussi redessiner les différentes tailles. Là, on voit que la hauteur peut être changée. Même chose pour la largeur. Et le dernier élément dont je voudrais vous parler, c'est rogner. Rogner, ça va vous donner la possibilité de faire presque ce que l'on appelle un coupé de l'image. Donc il suffit de déplacer et on voit que notre image ici va être redimensionnée, il n'y a pas de redimensionnement, mais c'est que l'on va couper au fur et à mesure cette photo, et on peut bien entendu la déplacer. Je vais la laisser telle qu'elle est. Et je vais donc cliquer à côté et je vois que mon image n'est plus tout à fait la même puisque je l'ai retravaillée. Bon voilà, j'en ai terminé pour cette petite leçon sur comment retravailler une image sous PowerPoint et je vous donne rendez-vous à une prochaine leçon.